C'est l'expo de l'été à Alès et sans doute dans la région. La Fondation Miro de Barcelone et la Bibliothèque Nationale de France prêtent au musée PAB des gravures du célèbre artiste catalan. Une première en France. C'est une exposition inédite, c'est une exposition exceptionnelle, il faut bien le dire. Exceptionnelle pour notre ville d'Alès, parce que présenter ça dans un musée municipal, c'est pour nous une chance. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Cette exposition sort très peu. Il a fallu convaincre Barcelone de nous la prêter. Ils ont accepté. Il a fallu convaincre aussi la Bibliothèque Nationale de France de nous prêter les ouvrages qu'ils avaient en réserve. Et donc ça, c'est pour notre plus grande joie et la joie, j'espère, des Alésiens qui sauront reconnaître l'intérêt de cette manifestation. Miro et les arts graphiques, thème de l'expo, nous fait donc découvrir plusieurs facettes de l'artiste. D'abord au premier étage avec la série de 26 antiportraits, dernière période de l'œuvre de Miro dans les années 70. On retrouve dans cette galerie d'antiportraits tout le dynamisme des couleurs et des lignes de Miro. On a vraiment les formes typiques, hein, comme l'étoile très spécifique de Miro, ces couleurs rouge, jaune, bleu, vert qui sont toujours utilisées chez Miro. Mais voilà, des choses comme ça qui sont passionnantes et qui sans doute passionnaient Miro. Cette peinture, tout le monde la reconnaît partout où elle se trouve. Et donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement jouissif, c'est quelque chose de gai, c'est quelque chose d'extrêmement poétique aussi. Et ce n'est pas pour rien que des grands poètes se sont reconnus dans ses œuvres. Justement, la suite du périple nous amène au deuxième étage avec la collaboration au Livre d'artistes, qui couvre 40 années de bibliophilie de Miro. Et le lien avec Pierre-André Benoît prend alors sa pleine valeur. Pierre-André Benoît et Miro étaient amis, se respectaient beaucoup, avaient une profonde amitié et profonde respect et admiration l'un pour l'autre. Et c'était vraiment plus qu'une collaboration, c'était vraiment un dialogue entre eux. Et ce qui rend ces œuvres vraiment uniques. Ce sont vraiment des livres d'artistes vraiment uniques. Donc c'était important pour nous aussi de rappeler cette étroite collaboration, cette profonde amitié et tout le travail qui en résulte. L'exposition Miro et les arts graphiques reste à Alès jusqu'au 16 septembre. Ne la ratez surtout pas.